Sur son rocher légendaire se dresse Constantine, l'ancienne Cirta, la capitale des Numides, la cité reconstruite par l'empereur Constantin qui lui donne à son nom. On l'appelle aussi la Jérusalem du Maghreb, en raison de son prestigieux passé et de ses multiples lieux de spiritualité. Place forte de l'identité musulmane de l'Algérie, elle aura tout naturellement son mot à dire dans l'histoire de la lutte contre la colonisation. Constantine résistera tant et si bien qu'elle sera l'une des dernières villes algériennes à être conquise par les Français. C'est dans cette ville qu'est né le cher Abdelhamid Ben Badis, figure emblématique du réformisme algérien et fondateur de l'association des oulémas musulmans algériens. C'est avec lui qu'est né le mouvement Al-Isla, la réforme, un courant de pensée qui va marquer l'histoire de l'Algérie de la première moitié du XXe siècle. Quand on parle de l'occupation puis de la colonisation de l'Algérie par la France, il ne s'agit pas simplement d'occuper le territoire. Il s'agissait également d'instituer une nouvelle civilisation en Algérie à travers une nouvelle langue qui est le français, à travers une nouvelle religion qui est la religion chrétienne et plus précisément le catholicisme. L'une des premières dispositions prises par le maréchal de Bourbon qui avait conduit en fin de compte l'armée coloniale en Algérie, c'était effectivement de s'attaquer aux espaces religieux et culturels. De Bourbon s'était engagé à respecter le culte musulman, à respecter la cité musulmane et à respecter également la femme algérienne. Or, de cela, il n'en a pas été question. L'occupation française en Algérie a commencé déjà par saper la personnalité algérienne. À savoir, il avait déjà promulgué la loi qui nationaliser ce qu'on appelait les habous, les waqf. Deuxièmement, il y avait également une autre action, à savoir la fermeture de certains mosquées aux salles de prière et en les transformant en d'autres lieux à d'autres fins qui n'avaient rien à voir avec la religion et contrairement à l'intention de ceux qui avaient placé ces mosquées dans le waqf et transformer également certaines mosquées en cathédrales. C'est le cas de la mosquée de Ketchawa. Comme la résistance algérienne a été menée par les confréries religieuses qui représentaient la seule force politico-religieuse, si vous voulez, à l'époque, il fallait donc s'attaquer à ces représentants de la résistance. Amir Abdelkader, Cheikh Bouhmama, étaient des chefs religieux. C'est les confréries religieuses qui avaient, en fin de compte, soulevé les masses. Une fois que la résistance a été matée, disons très rapidement, vers 1871, avec la fin de la résistance de Cheikh al-Muqrani, etc., il fallait par la suite domestiquer la religion. En ces années 20, la colonisation est bien installée en Algérie avec une mainmise sur toutes les institutions, une gestion étroite du domaine religieux et une emprise sur les confréries. Cette volonté manifeste d'effacer le socle identitaire algérien n'échappe pas à une élite d'érudits religieux et laïcs qui prend conscience de la nécessité de résister. La date charnière, c'est 1925. 1925, c'est d'abord l'émergence d'une idée. C'est de regrouper les chouyoukhs de l'époque, les savants religieux de l'époque, les lettrés de l'époque en langue arabe, pour constituer une association qui s'appelle Jam'iyat al-Ikha, l'association de la fraternité. Et c'est ainsi que nous allons retrouver un certain nombre de personnages culturels qui vont constituer les éléments fondamentaux de cette résurrection culturelle, de cette Nahda, si vous voulez, en Algérie. J'en citerai quelques-uns très rapidement. Je citerai le premier, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, qui est passé par Tunis, qui est passé par l'Azhar, qui est passé également par la Mecque, par Médine. Je citerai Cheikh El-Bachir Ibrahimi, qui a fait pratiquement le même parcours. Je citerai Cheikh Tayyib Al-Uqbi, je citerai également Cheikh Ahmed Toufiq Al-Madani. Et donc ce sont ces éléments-là qui ont senti très très tôt
qu'il fallait absolument secouer cette Algérie mourante. À travers quoi? À travers l'enseignement, à travers une prise de conscience de la nécessité de renouer avec la langue arabe et avec la religion musulmane. Il ne fait pas ombre d'un doute que l'association des ulama a joué un rôle considérable dans l'éveil des consciences en Algérie. D'abord, sa naissance, sa création, elle-même est un symbole. N'oublions pas qu'en 1930, la France, à l'occasion du centenaire de l'occupation de l'Algérie, a organisé à Alger des fêtes avec une pompe et une solennité sans précédent, avec la présence du président de la République française lui-même, Gaston Doumergue. Et ces festivités semblaient transmettre un message au monde entier, disant, sur cette terre désormais française, c'en est fini de l'islam, de la langue arabe et de la nation algérienne. Ce défi appelait une réponse. Et cette réponse est venue un an après, en 1931, par la création de l'association des ulama. Pour le culte catholique et pour le culte israélite, ils étaient soumis à la loi de 1905. Ce qui n'a pas été le cas pour la religion musulmane, qui était sous l'emprise directe de l'administration coloniale, laquelle désignait les imams, laquelle désignait les muftis, et laquelle construisait ou ne construisait pas à sa guise les mosquées. Et de ce fait-là, nous pouvons dire que même le prêche du vendredi, était soumis à contrôle. Et tout prêche qui allait à l'encontre, en fin de compte, de l'idéologie coloniale, était un prêche qui était écarté, pour ne pas dire interdit. C'est pour cela que l'une des revendications fondamentales de cette association qu'on appelle l'association des ulama musulmans algériens va demander l'application, en fait, de la séparation du culte et de l'État. L'administration coloniale a essayé d'utiliser les confréries dans son travail, je dirais, de chloroformer l'opinion publique algérienne. J'ai des souvenirs d'enfance. Lorsqu'avec un adepte des confréries, nous passions devant une ferme d'un colon, il nous disait « Deni alayhum ou nakharalena », ce qui veut dire « ici-bas et pour les Français, et pour nous, il y a l'au-delà ». Eh bien, les ulama nous ont appris à arracher notre place au soleil, à la fois sur cette terre et dans l'au-delà. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est qu'un adepte des confréries nous citait un verset du Coran en le tronquant. Il disait « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amr » et il s'arrêtait. Alors que le verset dit « Wa ulil amri minkum » sur ce « minkum » on peut gloser « Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui gouvernent », nous disaient les adeptes des confréries. Mais le ulama nous disait le véritable verset « Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux d'entre vous qui vous gouvernent » ou bien à ceux qui gouvernent s'ils sont des vôtres. C'est vrai que la mission des oulémas musulmans s'est inscrite dans le cadre légal de la loi française de 1901 qui régit les associations. Les oulémas en ont profité pour créer leur association qui avait plusieurs activités d'ordre social, éducatif, caritatif, culturel, sportif. Mais l'association a joué aussi un grand rôle politique. Comme le confirment ses propos de Ben Badis en 1938. En islam, il ne saurait y avoir d'État qui soit aux mains des religieux ou d'une seule famille régnante. Le seul pouvoir légitime est celui qui émane du peuple. À partir de 1931, la France s'est trouvée confrontée
à un mouvement nationaliste redoutable, composé de deux pôles complémentaires, un pôle essentiellement politique, représenté par le PPA de Messali Hadj, qui a su incruster dans les consciences algériennes le concept d'indépendance, et un pôle éminemment religieux et culturel, incarné par l'association des ulamas de Ben Badis, dont la phrase clé est « L'identité algérienne repose sur le trépied islam, amazirité, arabité ». Ce poème de Cheikh Ben Badis est chanté par les scouts musulmans, l'organisation créée en 1935 et encouragée par l'association des oulémas réformistes. Il est, avec l'hymne national, le texte fondateur du nationalisme algérien, et son écho résonne toujours dans l'inconscient collectif de tout un pays. De fait, l'enseignement fondateur de Ben Badis et de l'association des oulémas musulmans algériens va se répandre rapidement et prendre une dimension nationale. Si les pionniers n'affichent pas leur opinion politique et n'avouent pas leurs convictions profondément nationalistes, c'est pour ne pas rentrer en conflit direct avec l'administration coloniale. L'association des ulémas musulmans algériens n'a pas fait de politique, mais de politique dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire revendiquer l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire organiser des sittings, des meetings, etc. Bon, l'association a fait de la revendication de la langue arabe, de la liberté, de la pratique du culte musulman, donc de la pratique religieuse, son cheval de bataille. Et revendiquer l'enseignement de la langue arabe, c'était ou ce n'était pas politique. À un moment où la langue arabe avait été interdite, à un moment où la langue arabe était pourchassée. À ceux qui, à l'époque, appelaient à se fondre dans la culture et la langue française, Ben Badis répondait « Cette nation algérienne n'est pas la France. Elle ne pourra pas être la France. Elle ne veut pas devenir la France. Et elle ne le deviendra pas, même si elle le voulait. L'Algérie n'a rien à voir avec la France quant à sa langue, à ses mœurs et à sa religion. » Certains ont reproché au statut de l'association de n'avoir pas fait référence au mot « indépendance ». Je crois que c'est un reproche stupide, car on a même parfois beaucoup de gens juge les hommes et les événements sans les placer dans leur contexte historique. Or, si Ben Badis el-Ibrahimi avait fait allusion au mot « indépendance » dans les statuts de l'association, l'association n'aurait jamais vu le jour et n'aurait jamais accompli tout ce qu'elle a accompli. En d'autres mots, je crois que l'association, plutôt que de parler d'indépendance, a préféré préparer l'indépendance. La littérature de Jumaït Ulama de l'association, vous trouvez qu'il y a la religion, d'accord, mais il y a surtout la politique. La religion, c'est un véhicule. Certains gens lui avaient posé la question à lui-même, Cheikh Ben Badis Rahimullah, pourquoi tu n'as pas institué un parti politique? Sa réponse était simple. Que ferais-je de ce parti avec une société analphabète? Alors c'est pour cela qu'il a préféré s'attaquer justement à la science. Il a préféré comme moyen, c'est l'éducation de la société. Un citoyen instruit est difficilement taillable et corvéable à merci. Et cet enseignement doit toucher les deux sexes. Et il doit toucher toutes les couches de la population. C'est ainsi que l'association a créé des écoles pour les enfants, des médersas. Elle a créé des nawadis, des cercles pour les jeunes. Et elle a créé des mosquées pour tous les âges.
deux actions très importantes des oulamas vont donner une force, une revivification du mouvement national. La première, c'était dans le renforcement de ce sens ou du patriotisme algérien, jusqu'à les oulamas sont allés dire que le patriotisme est un acte de foi. Ce n'est pas une association religieuse. C'est une association qui a posé un certain nombre de questions, dont celle de la religion, mais vue comme un élément de l'identité à côté de la langue arabe, n'est-ce pas? Et même de la question Amazigh, parce que Ben Badis lui-même, quand il signait Abdelhamid Ibn Badis al-Sanhaji, par référence au Sanhaja, qui était une grande tribu berbère connue. Et vis-à-vis de ces questions, donc il faut dire d'abord, du fait que c'était une association, il n'y avait pas une ligne politique, il y avait des formes d'expression très diversifiées et très diverses sur toutes ces questions. Sur la question de la femme, sur la question du statut du religieux, sur la question de l'enseignement, bref, sur toutes les questions à la fois sociétales et politiques. Le peuple demandait à ce que sa langue soit étudiée, d'autant que ce peuple savait que l'administration coloniale a tout fait pour briser l'identité algérienne, pour effacer l'identité algérienne, pour effacer les constantes, pour effacer les valeurs, pour effacer tout ce que véhiculait l'Algérien comme sentiment à l'égard de son pays, à l'égard de ses origines, à l'égard de ses ancêtres. La vision de l'association des oulémas musulmans algériens à cette époque-là était une vision globale, était une vision communautaire, si vous voulez, mais elle était surtout une vision dynamique, parce qu'il s'agissait de regrouper le maximum de citoyens autour d'une cause qu'ils voulaient, eux, moderne et moderniste. En vantant le savoir et en appelant à l'instruction des jeunes, avec l'ouverture d'un réseau d'écoles sous le nom de Médarsa Libre, les oulémas veulent livrer une lutte sans répit contre l'analphabétisme, source d'aliénation des esprits. Mais c'est en encourageant l'enseignement pour les filles et en ouvrant des classes mixtes qu'ils vont provoquer une vraie révolution dans les mentalités de l'époque. J'ai passé mon enfance à Tlemcen. J'ai vécu donc les années 30 de mon père à Tlemcen. Et je crois que l'action de Béchir Ibrahimi à Tlemcen a été une véritable révolution culturelle qui a touché tous les aspects de la vie, économique, social, culturel, politique. Je dirais que Cheikh Ibrahimi a formé beaucoup de jeunes Algériens qui ont été les enseignants dans le hadith. Ce complexe culturel était destiné à la fois aux mâles et aux filles. Et l'enseignement de la fille était un tabou avant l'arrivée du Cheikh à Tlemcen. Eh bien, c'est devenu chose normale, au point que les Tlemceniens ont construit, attenant à Dar al-Hadith, une école qu'ils ont appelée Aïcha, destinée à l'enseignement des filles. L'un des aspects qu'on peut évoquer à propos de l'association, c'est qu'elle demandait pour les garçons une participation financière symbolique, alors qu'elle offrait la gratuité pour les filles. De fait, du point de vue de l'association des oulémas, la libération de la patrie passe par la libération de l'individu. L'individu, c'est à la fois l'homme et la femme. Ben Badis décrit d'ailleurs l'homme et la femme comme les deux ailes d'une nation. Et l'oiseau ne peut voler avec une seule aile. C'est dire que l'association des oulémas a mis l'homme vraiment au centre, affirmant qu'il faut commencer par libérer l'individu avant de libérer la terre. Bachir Ibrahimi disait à ce propos, « Il est impossible de libérer un corps dont l'esprit demeure esclave. » Et Cheikh Ben Badis lui-même disait, « J'instruis, donc je combats la colonisation. » Et encore, « Là où se répand le savoir, recule la servitude et se construit l'avenir. » Il me semble que le fait pour le Cheikh Ben Badis d'encourager la femme à suivre les cours dispensés dans les médersas était un signe de sa volonté par rapport à l'émancipation de la femme.
lorsque l'on encourage dans quelque société que ce soit une femme à aller à l'école, à suivre des cours, c'est une façon de l'encourager à conquérir son indépendance, son autonomie et donc à être émancipée. Après l'école française, j'allais à la Médersa al-Hurra et j'ai appris le Coran. Et ensuite, je prenais des cours de grammaire arabe, je faisais des cours particuliers et après, j'ai présenté mon examen de sixième. Nous étions dans une classe, il y avait des garçons et il y avait des filles. Les écoles libres, la Médersa, étaient des écoles mixtes, alors que l'école française n'était pas mixte. Il y avait l'école de jeunes filles, il y avait l'école de garçons. D'ailleurs, sur le fronton de l'école, école de garçons, école de jeunes filles. Mais alors, les écoles libres étaient mixtes. Nous sommes une société traditionnelle, où la fille ne sort que voilée. L'envoyer, suivre des cours avec un cheikh, un homme, c'est extrêmement important. C'est une avancée qualitativement importante pour l'époque. Dès son lancement en 1931, l'association des oulémas musulmans algériens se préoccupe de la question de l'immigration et entend initier des actions en direction des émigrés algériens. Délégués et représentants ont pour mission de gagner à la cause leurs compatriotes installés en France et de diffuser dans leur rang les idées d'éducation et de lutte pour la préservation de l'identité arabo-musulmane de l'Algérie. L'intérêt de l'association des oulémas pour les Algériens immigrés en France fait partie d'un plan général qui consistait à donner à l'action des ulama dès le début une dimension au moins nationale. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait une partie donc, des Algériens qui étaient en France, dont le nombre avait dépassé les 100 000 en 1923, et ça a été un tournant dans l'histoire de l'immigration. Et le Cheikh El-Arabi lui-même a fait une déclaration en 1933 dans la revue qui s'appelait l'Afrique du Nord illustrée sur le statut des enfants d'Algériens nés en France. Et quand le Cheikh Ben Badis est venu en 1936, donc à la tête de la délégation du Congrès musulman algérien, où il a été reçu par les responsables français dont Léon Blum, c'est à son retour qu'il a décidé de dépêcher un de ses meilleurs élèves, le Cheikh Fadil Ourtilani, pour s'occuper de l'immigration. Donc les délégués des ulamas bénéficiaient du prestige dû à leur désignation par des gens aussi prestigieux que le Cheikh Bachir et le Cheikh Larbi. Parmi leurs collaborateurs, il y avait le futur colonel Lamérouche, Aït Hamouda, qui avait la fonction de contrôleur des ulamas dans la région parisienne, d'où on prenait des décisions à l'échelle de toute la France. On trouve les échos donc, de ces activités dans le Jeune Musulman, qui a été lancé à partir de 1952 pour les francophones. C'est à Alger, au siège du Cercle du Progrès, que l'Association des oulémas musulmans algériens fut créée le 5 mai 1931. À l'origine de sa création, un groupe d'érudits inspiré par la Nada, un mouvement de renaissance arabe né au XIXe siècle. Ses membres appartiennent au courant de l'Isla, la réforme en arabe. Ils sont convaincus de la nécessité de défendre l'identité algérienne tout en la modernisant. Le théologien Cheikh Abdelhamid Ben Badis, journaliste de métier, est sans conteste la figure emblématique de ce mouvement réformiste musulman en Algérie. Ses relations avec la famille, il était respecté et puis il n'était pas fermé. Ouais. Quand il y a une question à poser, il la pose délicatement et puis il laisse l'interlocuteur répondre. Toutes les informations m'ont été fournies par ma grand-mère, mes grandes-tantes, ma nounou, mon père, toutes les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer. Et il ressort de toutes ces informations que c'était un grand monsieur dont les principales qualités étaient la très grande réserve et la très grande simplicité, deux qualités qui forçaient énormément de respect de la part de son entourage. À la mort de Ben Badis, le 16 avril 1940, ses obsèques réuniront plus de 20 000 personnes et prendront l'aspect d'une gigantesque manifestation anticoloniale. Mais le cher Ben Badis n'est pas seul. Avec lui, il faut citer ses proches compagnons. Mohamed Bachir El Ibrahimi, qu'on peut considérer comme son alter ego.
C'est lui qui présidera l'association après la mort du maître et qui l'orientera vers un positionnement politique plus marqué. Ses obsèques, en mai 1965, rassembleront comme celles de Ben Badis une foule énorme. Il a été élu président de l'association alors qu'il n'a pas pu assister aux obsèques de Ben Badis, puisqu'il a été exilé le 10 avril 1940 et Ben Badis est mort le 16 avril 1940. Donc il lui a été interdit d'assister aux obsèques de Ben Badis. Et ce sont ses collègues qui l'ont élu président à la mort de Ben Badis. En grand tribun, le cher Tayeb El Okbi séduit les foules par son éloquence et son érudition rare. Pour défendre ses idées, il lance le journal Al-Isla et le Cercle du Progrès, ce qui lui vaudra d'être la cible de l'administration coloniale et amènera l'écrivain Albert Camus à prendre sa défense. On peut appeler ça le siècle des Lumières à l'époque. Il prêchait, il travaillait, il faisait du journalisme et c'est ça qui l'a fait remarquer. D'ailleurs, il avait un don oratoire exceptionnel. Certains même connaisseurs ou certains historiens l'ont nommé le Bossuet de l'islam. Il avait un don oratoire fantastique, comme l'a dit Jacques Berg. Cher Larbi Tébessi, dont l'université de la ville Tébessa porte le nom, a eu le privilège de figurer parmi les présidents de l'association des oulémas. Figure éminente du réformisme, il défendait un islam moderne et militait pour le progrès social. Arrêté en 1957, son corps ne fut jamais retrouvé. Formé à la mosquée de la Zitouna en Tunisie, Cheikh Moubarek El Mili se consacrera à l'enseignement et à la lutte contre la présence française. Cet homme qui fait figure de philosophe de l'association est aussi un ardent défenseur de l'émancipation des femmes. Né à Tunis, Cher Ahmed Taoufik El Madani passera le cours de sa vie en Algérie et sera en quelque sorte l'écrivain du mouvement réformiste. C'est lui qui rédige les statuts de l'association des oulémas et qui se charge des revues Al-Shiab et Al-Basaïr. Fin lettré et membre fondateur du FLN, il finira sa carrière dans la diplomatie après l'indépendance du pays. Toutes ces personnalités incarnent la lutte pour la préservation de l'identité arabo-musulmane de l'Algérie et pour l'édification d'une conscience nationale. Mais comment aujourd'hui l'Algérie appréhende-t-elle l'histoire de l'association des oulémas? Une histoire parfois controversée, mais qui imprègne toujours la mémoire collective du pays. C'est le 5 mai 1931, un an après la célébration du centenaire de la conquête de l'Algérie, que l'association des oulémas musulmans algériens a été créée. La plupart de ses fondateurs appartiennent à un courant de pensée, El-Isla, la réforme en arabe, inspirée par le mouvement de la Renaissance, la Nahda, née à la fin du 19e siècle. La figure de proue de cette association est le théologien et intellectuel Cheikh Abdelhamid Ben Badis, né à Constantine en 1889, est mort en 1940. Je considère que Abdelhamid Ben Badis est la figure peut-être la plus emblématique de l'Algérie du XXe siècle. Premièrement, sur le plan doctrinal, il a consacré une vingtaine d'années à l'exégèse coranique et le peu qui a été publié laisse entrevoir que cette exégèse de Ben Badis n'a rien à envier à celle de ses devanciers de quelques décennies, qu'il s'agisse du Syrien Jamaluddin al-Qasimi, qu'il s'agisse de l'Égyptien Mohamed Abdou, qu'il s'agisse de l'Indien Sadiq Hassan Khan, qu'il s'agisse du Tunisien Tahar Ben Achour. Sur le plan doctrinal, Ben Badis est un grand exégète. Mais il n'a pas que cela, contrairement aux autres. Pendant une vingtaine d'années, il a formé des enseignants. Et ce sont les élèves, les disciples de Ben Badis qu'il a formés à Constantine qui vont constituer l'ossature de ces 150 écoles primaires. Le corps enseignant a été formé par les disciples de Ben Badis. Troisième facette, il a initié le journalisme politique en langue arabe. Il a créé Jaridat al-Muntaqid dans les années 20. Et après la revue Shihab, il a lancé des hebdomadaires qui étaient suspendus par l'administration coloniale, Al-Sunna, Al-Sharia, Al-Sirat, qui a été remplacé par Al-Basair, qui a duré 2 ou 3 ans du vivant de Ben Badis, et qui a été reprise par Al-Bashir Ibrahimi en 1947 pour durer une dizaine d'années. Donc le journalisme de combat
de combat. Les ulamas nous ont appris donc l'esprit de résistance. Ils ont défini l'identité algérienne. C'est Ben Badis qui a répondu au fameux ouvrage « La France et moi ». Il a répondu par un article cinglant, remarquable, où il disait « L'Algérie n'a jamais été la France, n'est pas la France et ne sera jamais la France ». Les objectifs de l'association des oulémas sont multiples. Préserver l'identité arabo-musulmane de l'Algérie, enseigner la langue arabe et lutter contre l'obscurantisme et les superstitions, en s'appuyant sur une interprétation moderne et novatrice des sources religieuses. L'administration coloniale va en fin de compte accuser l'association des oulémas musulmans algériens d'être rattachée au wahhabisme, d'être des salafistes. La notion de salafisme, à mon sens, demande dans ce cas-là à être précisée. C'est salaf salih. Hein? C'est la religion telle qu'elle a été pratiquée par le prophète, en faisant valoir, si vous voulez, les aspects positifs, les aspects dynamiques de cette religion, et pas les aspects régressifs. Et salafiste, celui qui appartient à la source de l'islam, au livre saint, à la sunna et au grand savant des musulmans. Voilà le salafiste. Et le salaf, c'est les précédents. Donc être fidèle aux précédents, c'est être salafiste. Mais aujourd'hui, le salafisme a pris une autre signification, une autre dimension. Tout est interdit et le toléré est l'exception. Alors que c'est le contraire. Tout est autorisé, l'exception c'est l'interdit. Les ulama étaient plus avancés qu'aujourd'hui, plus avancés que certains prédicateurs d'aujourd'hui qui appartiennent à la religion musulmane. Or, l'association des ulama avait comme souci majeur de libérer justement l'islam de ce genre d'extrémisme et de fanatisme. C'est pourquoi il faut reconnaître que l'islam prêché par l'association des ulama est un islam qui concilie l'authenticité et la modernité dans ses aspects les plus utiles à l'homme et à l'humanité. La plupart des fondateurs avaient l'aspect de l'imamat. Ils dirigeaient la prière, ils donnaient des fatwas, ils prêchaient le vendredi, chaque jour dans les mosquées, tout en étant enseignants à l'école ou à l'institut ou ailleurs pour justement avoir pris en charge toutes les couches de la société dans tous ces domaines. L'éducation fut le cheval de bataille de l'association des oulémas et le principal outil contre le risque d'acculturation, et ce, en vertu du principe de Cheikh Ben Badis. J'éduque, donc je lutte contre la colonisation. Dès le début de sa création, l'association ouvre à travers tout le pays des médersas, ces écoles libres destinées à l'apprentissage de la langue arabe et du Coran, qui dispensent également des cours d'histoire et de civilisation. Des écoles où la mixité est appliquée, une véritable révolution en Algérie à cette époque. Rares étaient ceux en Algérie de mon âge qui savaient lire une phrase en arabe. Nous partions à l'école primaire, l'école communale, et en même temps nous étions élèves dans les écoles libres de l'association des oulémas. On se levait pratiquement à 5h30 du matin. Nous avions un cartable spécial pour la médersa, pour l'école libre, et un autre cartable, bien sûr, pour l'école primaire. Tout simplement parce que l'instituteur ne voulait pas à ce qu'on aille à l'école libre pour apprendre la langue arabe. À la fin de la journée, à partir de 5h, dès qu'on termine l'école dite laïque, ben, on allait vers l'école qui était l'école des oulémas pour qu'ils nous enseignent pas nécessairement un programme religieux, mais la littérature arabe, l'histoire, la grammaire, etc. Et donc, ça nous a permis d'apprendre tout à la fois la langue arabe, la culture arabe, mais en même temps aussi les programmes d'enseignement qui nous étaient dispensés à l'école française. Grâce à l'action de l'association des oulémas, les médersas, écoles libres, et les nadis, cercles culturels, essaiment dans toute l'Algérie.
et certains deviennent de véritables centres de rayonnement pédagogique, comme Dar al-Hadis, qui va se transformer en espace pluridisciplinaire, emblématique de l'activité éducative et culturelle de la ville de Tlemcen. Ça, c'est l'inauguration de Dar al-Hadis en septembre 1937. L'emplacement de Dar al-Hadis est en soi important. Il se situe dans une rue qui s'appelle Pomaria. D'un côté, nous avons la citadelle culturelle coloniale représentée par le collège de Slan. À ses côtés, qu'est-ce que nous allons retrouver? À ses côtés, nous allons retrouver ça. Nous allons retrouver Dar al-Hadith. Ceux qui sont arrivés à apprendre l'arabe, c'était dans les écoles coraniques. Or, dans l'école coranique, c'est essentiellement la mémorisation. On arrivait ou on n'arrivait pas à écrire quelques mots en arabe. Mais là, Dar al-Hadith, c'était l'enseignement pédagogique moderne. Dar al-Hadith, elle est construite de telle façon qu'elle accomplisse plusieurs fonctions, à la fois d'éducation, d'enseignement, également au cours des fêtes religieuses, on donnait des pièces. Et moi-même, j'étais élève, donc je pourrais en parler longuement de cette activité. Et elle travaillait presque jour et nuit. On apprenait d'abord à lire et à écrire en arabe, c'est très important, mais aussi un peu d'histoire, un peu de l'histoire musulmane, des compagnons du prophète. Donc, c'était le bain. Le bain linguistique et le bain spirituel, etc. Les médersas existaient à travers tout le territoire national. Je peux vous donner le chiffre quand même. À un certain moment, elles étaient au nombre de 400. À côté, il y avait 200 cercles culturels de l'association des oulémas. Ça faisait 600. C'est peu par rapport à l'étendue du territoire national. Mais quand même, il y avait une certaine élite qui se formait dans ces écoles. Devant le succès des médersas et des cercles culturels, qui échappent à son contrôle, l'administration française décide de créer les lycées d'enseignement franco-musulman à Alger, Tlemcen et Constantine. Beaucoup d'élèves de l'association des oulémas rejoindront les lycées d'enseignement franco-musulman. Et comme pour marquer cette filiation, jusqu'à aujourd'hui, tous se désignent sous le vocable de médersiens. Il y a un décalage entre l'appellation franco-musulman, qui pouvait paraître aux yeux des Algériens comme étant péjorative, franco-musulman. Parce que peut-être que dans l'esprit de l'administration coloniale, on allait former des élites uniquement pour pouvoir après les utiliser à des fins, aux besoins de l'administration coloniale. Alors que le programme qui était enseigné, et là on va retrouver un peu l'héritage des oulémas, qui était un programme tout à fait différent, puisque nous avons un programme qui est connoté. C'est-à-dire l'accent a été mis sur l'identité, sur la langue, sur l'appartenance à une ère culturelle, différente de l'ère culturelle à laquelle on voulait nous assimiler. Il y a un phénomène, disons, d'osmose entre la médersa de Bembadis et médersa et les franco-musulmans. Tous les gens qui avaient fait cette médersa voulaient aller aux franco-musulmans parce qu'il y avait la langue arabe. Parce qu'on avait, en plus de l'enseignement qui était dispensé au lycée d'Omal, qui était lycée français entièrement francisé, les mêmes matières, les mêmes professeurs enseignaient dans les deux lycées. Si nous étions chez nous, chacun dans son petit coin, après, dans les lycées franco-musulmans, on s'est rencontré des jeunes venus de familles nationalistes de différentes régions du pays. Et là, il y a eu cette coordination. Il y a eu cette symbiose qui s'est faite. Les élèves venant de divers horizons, de familles nationalistes, on est vite devenus des amis. Et la vie qui nous rassemblait dans ces lycées franco-musulmans était une vie que, franchement, nous ne pouvons trouver aujourd'hui dans n'importe quelle autre institution éducative. On était en majorité interne. Les filles qui faisaient franco-musulmans étaient, je crois, quasiment toutes internes. Vous savez, on était dans une conjoncture un peu spéciale. C'était la révolution. Et tout ça faisait que on était liés, on était. Quand je rencontre maintenant, quand je présente une de mes camarades de lycée, je dis pas ma camarade, je dis ma sœur.
Et quand je me retrouve avec les garçons, c'est mes frères, ça ne peut pas être autrement. Et tout cela, ça formait une grande famille. Et une des particularités aussi, c'est cette grande famille qui a donné cette valeur, et le Médersien, on le reconnaît à travers son comportement, parce qu'il maîtrise les deux langues, il n'a aucun complexe, parce qu'il peut très bien parler dans la langue de Voltaire et dans la langue de Mutanabbi, sans transition, il est à l'aise dans les deux mondes. C'est tout un état d'esprit, c'est une formation, c'est un système socio-éducatif qui a donné des résultats extraordinaires pour le pays. Maintenant, on essaye de rattraper le temps perdu, on revient un peu au système, mais c'est un peu trop tard. Non, mais est-ce que vous savez que ce lycée, c'était le lycée franc au musulman? Un lycée. Est-ce que vous le savez? En quelle année il a été inauguré? Eh bien, le savoir. Voilà, le savoir. En 54. Au temps de la colonisation, sous l'administration coloniale, ici même, nous avons étudié en langue arabe. On avait la philosophie en arabe et la philosophie en français. On était bilingues. C'est pour ça qu'on a maintenant la force de regarder des deux côtés. On est algérien, géographe, on est aussi citoyen du monde. Moi, j'ai fait l'école libre au départ, mais c'était une passerelle pour passer au bilinguisme. Parce que mes parents savaient que l'enseignement de langue arabe qui était dispensé était pratiquement identique à celui de Jamiat al-Ulama. Mais comme eux n'avaient pas la chance de passer par Jamiat al-Ulama à l'époque, ils avaient suivi un enseignement français essentiellement, ils voulaient que leurs enfants soient meilleurs qu'eux, et donc le bilinguisme... Bon, moi je suis l'un des derniers, hein, je suis rentré en 60 au lycée franco-musulman, donc j'ai eu mon bac en 68, et nous pensions que l'enseignement franco-musulman allait être généralisé à toute l'Algérie. Malheureusement, ça a été arrêté. Le colonisateur ne s'est pas rendu compte qu'il a donné à l'Algérie, finalement, une élite. Au lendemain de l'indépendance, ils ont tous occupé des postes ministériels, d'ambassadeurs, de cadres supérieurs de la nation. En effet, c'est l'Algérie indépendante qui va bénéficier de cette élite. Beaucoup de cadres et de grands commis de l'État sont d'anciens élèves des médersas libres et des lycées d'enseignement franco-musulmans. Ils sont nombreux à s'être engagés dans la lutte pour l'indépendance. En témoigne cette plaque commémorative où figure le nom des anciens élèves morts pendant la guerre de libération, dont Amara Rachid, qui a donné son nom à ce lycée. Même si les avis sont parfois partagés à ce sujet, les liens entre l'association et les partis nationalistes sont aujourd'hui reconnus. Il est indéniable que les oulémas ont contribué à la lutte pour l'indépendance, et c'est dans les médersas que prennent racine les fondements de la future lutte nationale. C'est sur les bancs de ces écoles que se forment les futurs nationalistes qui s'engageront pendant la guerre pour l'indépendance. Je crois que Ben Badis et Ibrahimi ont été imbus, ont été imprégnés, ont été nourris de l'enseignement d'Ibn Khaldoun. Donc il savait pertinemment que les empires sont mortels et que l'empire colonial français ne fera pas exception. Donc ils ont préparé cette jeunesse algérienne. Et il n'est pas étonnant que beaucoup d'officiers de l'armée de libération nationale sont d'anciens élèves de Mahed Ben Badis. J'ai entendu personnellement des combattants de l'armée de libération nationale déclarer qu'ils ont appris le nationalisme dans les écoles de Jamiat al-Ulama.
Avec le cinquantenaire de l'indépendance, les archives commencent à mieux nous renseigner, notamment sur l'existence d'un texte qui atteste des liens entre l'association des oulémas musulmans algériens, alors présidée par le cheikh Bachir al-Ibrahimi, et les politiques. Le 15 novembre 1954, Ali Brahimi et l'imam Foudil al-Wartilani ont adressé à partir du Caire un appel à la lutte pour libérer l'Algérie. Le 17 février 1955, les oulémas ont signé la Convention pour la libération nationale. Ils considéraient que toutes les organisations et les partis de l'Algérie se devaient de constituer un front commun de lutte pour l'indépendance. Le cheikh Labbès est passé en septembre 1955 à Paris, où il a rencontré les responsables de l'UGMA, commencé par leur président, Ahmed Talib Ibrahimi, qui venait de se faire élire, et les responsables des Nadis. Et à son retour, en décembre, il leur a dit, le cheikh Bachir soutient le FLN. Tous les historiens considéraient que la Fédération de France était dominée près de manière, avec une majorité écrasante, par le MLA. Cette adhésion des ulamas au FLN, il a commencé à modifier le rapport de force. Et donc on a, si vous voulez, une activité purement culturelle, religieuse, éducative, mais qui donnait une conscience communautaire. Et quand les événements se sont aggravés, cette conscience communautaire est devenue une conscience nationale. Après l'indépendance en 1962, les dirigeants du pays opteront pour le système du parti unique. Les structures associatives et les organisations indépendantes sont intégrées dans le giron du FLN où cessent leurs activités. L'association des oulémas n'échappe pas à la règle. Ce n'est qu'au début des années 1990, après l'avènement du pluralisme politique en Algérie, qu'elle est réactivée par d'anciens dirigeants et sympathisants. À la question du legs des islamistes, il faut probablement dater la réémergence des islamistes de la prise du pouvoir par le colonel Boumediene, donc juin 65. Parce que antérieurement à cette période, c'est sous la présidence de Ahmed Ben Bella, l'islam de référence n'était pas celui de l'islam, c'était celui de Omar ibn Khattab. C'était lui la référence citée de manière récurrente par Ben Bella. Et plus que cela, la dernière figure tutélaire de l'islam, Bachir Ibrahimi, était plus ou moins assignée à résidence, et en tout cas était dans une opposition, et elle était passive au régime qui se réclamait du socialisme. Et la première grande manifestation, si on veut, de cette réprobation de l'orientation du régime, ça a été précisément en 1965, lors du cortège funèbre de Bachir Ibrahimi, dernier président de l'association des ulémas musulmans. Mais après, on va revenir en force, ce que j'appelle moi les épigones de l'islam. Donc ce sont les héritiers directs. Il y a toute une série d'acteurs qui vont être associés directement à l'exercice de la gestion des affaires publiques dans des secteurs de souveraineté, bon, l'éducation, l'information, la culture. Et tout s'est passé comme si ce secteur-là, de ce qu'on appelait à l'époque, on était encore à l'université, les appareils de l'usage d'État, a été quasiment assigné par le régime de Boumediene au néo-islahiste. Du coup, on va retrouver une traçabilité islahiste, d'abord dans les manuels scolaires. La figure de Ben Badis est la plus citée et la plus montrée de l'entrée en classe primaire jusqu'à la terminale. Le nom de Ben Badis est 6 ou 7 fois plus cité que l'ensemble des acteurs du mouvement national. Il y a une idéologie néo-islahiste, patrimoniale, arabo-musulmane, qui maille le discours institutionnel pendant au moins 10-15 ans. Donc ce sont des legs forts qui impactent le fonctionnement des institutions de l'État, qui impactent l'opinion, qui impactent aussi donc, la vie de la société. Le marqueur islahiste, on va le retrouver aussi dans l'institution du Youm al-Ilm, le 16 avril, qui correspond à la date du décès du cheikh Ben Badis, le 16 avril 1940. Le 16 avril de chaque année, on célèbre cette date comme étant la journée de la science. La journée de la science, c'est par rapport à l'ulama, et c'est tout le mois d'avril,
on consacre ce mois à l'histoire de l'association du ulama, Cheikh Badis, Cheikh Ibrahimi, etc., etc., pour faire connaître à la jeunesse la valeur de Cheikh Ben Badis, Cheikh Bachir Ibrahimi, Cheikh Al-Abbet Bessiki, le savant martyr. C'est cette date historique qui donne à l'Algérie sa véritable dimension arabo-islamique. Que les jeunes actuellement se sont trouvés désorientés. Les jeunes viennent vers l'association. Ils cherchent même des choses qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs. C'est comme ça qu'on a trouvé que l'association, maintenant je ne dirais pas qu'elle est indispensable, mais elle a un rôle à jouer dans la société algérienne. Non seulement en Algérie, mais dans tout le monde musulman. L'université Émir Abdelkader, créée après l'indépendance et qui a ouvert ses portes le 14 octobre 1984, avait pour but la réalisation des objectifs de l'association des oulémas musulmans et l'accomplissement du rêve de Ben Badis de fonder une université qui dispense des études islamiques. À l'instar de la Zitouna en Tunisie, d'Al-Qarawiyyin au Maroc, d'Al-Azhar en Égypte, ou de la mosquée des Omeyyades en Syrie. L'université Émir Abdelkader est vraiment une réponse au rêve de Ben Badis et de l'association des oulémas pour un enseignement des sciences de l'islam basé sur des méthodes et des analyses modernes. L'objectif est aussi de permettre l'émergence d'une génération versée dans le patrimoine islamique et les sciences modernes. L'héritage de Ben Badis a porté ses fruits dans plusieurs domaines, social ou religieux par exemple. Ben Badis a réformé la conception de la religion et l'a orienté vers la vraie spiritualité. Il a défini le sens de la coexistence entre les nations et les cultures. C'est pour cette raison que beaucoup d'orientalistes et de chercheurs considèrent Ben Badis comme un symbole d'humanisme, avant de voir en lui un symbole du religieux. Il appelait à l'édification d'une humanité meilleure et à l'entente avec les autres peuples, sans oublier bien sûr la cause nationale, qui compte comme la chose la plus importante dans sa vie et aux yeux de l'association. Ce que nous avons appris du courant réformiste algérien, c'est la nécessité de s'appuyer sur les vrais piliers, qui sont le Saint-Coran, mais aussi la liberté, le savoir et la science. Ces piliers sur lesquels nous pouvons reconstruire un esprit de réforme. Je souhaite aujourd'hui que les Algériens se développent, certainement. Pour mon grand-père, ça aurait été la meilleure gratification. D'ailleurs, tout son parcours, il a été fait dans ce sens-là. Je crois que le meilleur cadeau qu'il peut avoir, c'est certainement le développement de l'Algérie. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si la mouvance qui voulait le changement avait pris exemple sur Ben Badis, sur son comportement et sur les préceptes auxquels il appelait, l'Algérie ne serait pas arrivée là où elle est arrivée. Parce que Ben Badis prônait pour sa part la modération, la fraternité, la solidarité et le refus de la violence. Il y a une manière de préserver la mémoire de Ben Badis, c'est d'étudier son patrimoine, le collecter et le conserver en l'éditant. C'est la meilleure méthode susceptible de perpétuer son héritage, à savoir, encore une fois, l'enseignement, l'impression et la diffusion de ses idées. Nous restons fidèles aux principes déjà posés par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous ne faisons que consolider ces principes en les adaptant avec la réalité nouvelle. Évidemment,
Nous sommes aujourd'hui pour un islam qui, tout en reflétant notre authenticité, tout en reflétant notre identité, ne doit pas nous faire perdre que nous appartenons à un monde, à une modernité, à une science et une technologie dont il faut s'y adapter dans la mesure de garder un petit peu ce qui appartient à notre culture et à notre civilisation et partager avec les autres tout ce qui peut être utile à l'humanité et à notre civilisation. Lorsque nous parlons de la pérennité de l'héritage de l'association de Ben Badis et d'Ali Ibrahimi, il faut toujours prendre en considération les constantes sur lesquelles nous devons nous appuyer et les évolutions dont nous devons tenir compte, en vertu de la méthode instituée par Ben Badis lui-même. Les situations et les événements nous obligent à nous adapter, mais ils ne nous ébranlent pas. Autrement dit, nous nous renouvelons, mais nous ne nous renions pas. Plus de 80 ans après sa naissance, l'association des oulémas musulmans algériens s'efforce de renouer avec le rayonnement culturel et spirituel de ses fondateurs, un héritage qui appartient à tous les Algériens.